Je fais partie de la Convention citoyenne depuis le 9 décembre. Au début, quand je suis arrivé à la Convention, je me suis dit qu'est-ce que je fais là, j'y connais rien. Et au final, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a été vraiment très formateur. Et le sujet de la fin de vie est un sujet qui concerne tout le monde. C'est pas un sujet qui concerne qu'une certaine catégorie de personnes, comme certaines idées reçues. Le sujet, il faut que ça soit évoqué à partir du lycée pour que les jeunes ne se fassent pas des idées préconçues des soins palliatifs ou de la fin de vie, car une fin de vie peut intervenir à tout moment sur un accident grave, sur une maladie, sur une maladie génétique qui peut arriver à tout âge. Et les sensibiliser sur ce sujet, leur dire que c'est pas un sujet tabou, c'est même un sujet qu'il faut en parler autour de soi, à sa famille, et donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir poser les questions qui leur font peur, les interrogations qu'ils ont, pour qu'on puisse leur donner un maximum de réponses. Aujourd'hui, en fait, on est en train de débattre effectivement sur les soins palliatifs et sur l'aide active à mourir. On a fait des propositions, au total au nombre de 60 propositions qui vont être votées dimanche. Et donc, parmi certaines de ces propositions, il y en a qui vont passer en priorité en fonction des votes. Pour tous les citoyens qui sont dans toute la France, citoyens et citoyennes qui veulent voir comment s'est passée la convention, vous pouvez aller sur le YouTube du CESE et sur le site du CESE. Il y a toutes les vidéos des directs qui ont été faits au sein de l'hémicycle depuis le début, de l'arrivée de Madame Borne au premier jour jusqu'au dernier jour qui aura lieu le 31 mars.